Bonjour à tous, bienvenue sur Info83. Aujourd'hui, on va parler de PNL notamment. PNL, ça vous dit quelque chose, ben vous allez en savoir plus si toutefois vous ne connaissez pas cette pratique. Je suis avec Valérie Avey. Bonjour Valérie. Bonjour. Anne. Vous êtes la créatrice et la directrice de l'École internationale de PNL. C'est à Sanary. On va en parler. Vous nous allez nous raconter. Vous êtes venue avec une de vos élèves, oui. une de vos apprenantes. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous allez nous parler un petit peu de votre expérience d'apprenante, d'élève de l'EIPNL, e. l'École internationale de PNL. Alors, École internationale à Sanary, vous me le disiez juste avant qu'on enregistre, c'est pas qu'elle est internationale, c'est l'enseignement que vous proposez qui est international. Oui, tout à fait. En fait, dans les écoles de PNL, on se doit d'enseigner les outils de la même manière. Alors, bien sûr, l'enseignant a une manière de les enseigner et ce qui est propre à chaque enseignant, mais l'outil ben, reste le même. Donc, international, ben, où que vous alliez, vous retrouverez le même enseignement de la PNL. Alors, on va, on va voir quelques images. Vous êtes venu avec quelques images. On oui. va peut-être commencer par juste définir PNL, la programmation neuro-linguistique. Qu'est-ce que c'est exactement Alors, euh, bah, à notre naissance, en fait, euh, sans tenir compte des, des, de, de ce qui est atavique, donc ce qui est inné, on a une partie de notre cerveau qui, qui est vierge, en fait, qui est vierge de toute programmation. Et euh, au contact de notre famille, alors bah, en premier, c'est nos parents, voilà. Euh, on regarde faire nos parents inconsciemment et qu'est-ce qui se passe euh, On se dit, ah ben tiens, euh, ce que fait ma maman, en fait, Ah, ah ben j'aime bien et inconsciemment, on se l'approprie Et puis d'un coup, on va regarder, par exemple, un truc de notre papa, la manière dont il s'y prend, on dit, non, ça, ça me convient pas. Et donc, euh, on, on, on refuse ce comportement. Et on se programme comme ça, en fait, tout au long de notre vie. On se programme ah ben, via déjà notre famille. Si on a des frères, des soeurs, pareil, on étudie inconsciemment leur comportement. Et on s'approprie ce qui nous plaît ou ce qui nous convient pas. Et puis après les amis, je suppose. Les amis, euh... l'école, le quartier, le pays. Hein, euh, après éventuellement la religion aussi. Voilà, enfin tout. On se programme tout au long de notre vie. Sauf que tout au long de notre vie, il y a des programmes qui nous conviennent et qui nous permettent d'évoluer. Et puis il y a des programmes bah, qui sont nous ont peut-être convenus à un moment donné de notre existence, mais en fait qui sont involutifs, qui nous tirent plutôt vers le bas et qui nous empêchent d'atteindre. Euh, ben, ce, ce, ce qu'on voudrait vivre en fait. Un mieux La vie qui nous correspond. Un exemple peut-être de, de ces, ces idées un peu qu'on a en tête qui sont un peu limitantes. Qu'est-ce qui est, -ce que, qu est -ce qu y a très classique ah euh, ben, C'est euh, « Je ne suis pas capable, je ne mérite pas d'être aimé. Alors c'est vraiment les croyances basiques, hein, pas capable, je ne mérite pas d'être aimé, je, je n'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi. Euh, c'est les ouais. grands classiques. Après on tombe aussi dans le système émotionnel, je n'ai pas confiance en moi. Euh, euh, je manque de confiance, le doute, le stress, voilà. c'est les grands classiques qui de... nous empêchent d'évoluer. On va voir euh, quelques images justement que, que vous nous avez amenées. Vous allez pouvoir les commenter euh, avec nous. Euh, donc voilà le logo de, de oui, l'école. le logo de IPNL. Après, EIPNL est une école euh, certifiée Qualiopi, donc ça veut dire qu'elle a un processus d'enseignement qui est certifié. Ensuite, euh, ben, c'est une école qui est vraiment dans le développement personnel, c'est-à-dire que IPNL ne conçoit pas. Euh, d'évoluer dans sa vie sans faire de développement personnel. Sa vie perso, professionnelle aussi Du moment qu'on qu joue sur sa vie, en fait, personnelle, qu'on développe sa vie personnelle, eh ben, c'est en synergie, ça se développe sur notre mmh. vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment l'essence de la PNL aussi, c'est se dire, quand on travaille sur soi, on améliore le monde entier, en ça fait. fait hein, voilà. un peu le... En fait, euh, on est un petit peu... Euh, je, je dis souvent que j'oeuvre pendant 2000 ans, alors ça paraît un petit peu extraordinaire, mais avec toute modestie, justement, je n'ai pas la prétention de changer le monde instantanément. J'avais un petit colibri, eh ben, chaque participant, comme, comme Christelle ici présente, euh, grâce à son propre changement, à son mieux-être, participe elle aussi euh, et contribue à, un jour à un monde de meilleur. Bien sûr. Mm -hmm. bah, c'est intéressant d'avoir le regard de Christelle mm -hmm. sur tout ça. Là, on voit quelques-uns quelques de vos élèves mm -hmm. et des ateliers que vous menez. Ça, c'est des choses que vous avez faites, du coup, dans tout votre formation. Mm -hmm. Euh, vous, vous aviez envie de quoi De mieux vous connaître, de mieux communiquer Pourquoi vous êtes arrivé dans cette école De transmettre. De transmettre. De ouais. transmettre pour aider ceux qui en ont besoin aussi. Et puis par la même occasion, de me découvrir. De me découvrir. Vous êtes en fait dans une reconversion, c'est ça Tout Vous en avez fait. envie vous-même d'accompagner de, de, d'autres personnes ouais. dans leur découverte d'eux-mêmes, des outils de développement personnel C'est ça. Et racontez-nous un peu votre expérience. Vous, vous vous souvenez de votre premier atelier quand il a fallu vous questionner sur vous-même Ah, ça a été un très très grand moment. <laughs> racontez-nous. Je me suis découverte euh, kinesthésique en ah. fait, et c'est vrai que ça a été une révélation pour moi. Qu'est-ce que c'est, pardon Kinesthésique. Alors euh, c'est une sensibilité surtout. C'est-à-dire quand on a les apprentissages sont à la fois auditifs, euh, à l'oral aussi. Mm -hmm. Moi, j'ai besoin d'une Quelque chose de supplémentaire. Donc, tout mon parcours a été euh, basé sur euh, les stéréotypes classiques. Le fait de m'être découvert kinesthésique, ça a été pour moi une révélation. Vous avez découvert que vous aviez un plus gros potentiel que celui que vous pensiez Pas un plus gros potentiel, mais ça a, pu, ça, ça a permis d'expliquer le fonctionnement que j'ai eu jusqu'à présent et de mettre maintenant à présent en place euh, ce qui va pouvoir justement m'élever beaucoup plus mmh. simplement. Alors, PNL, vous avez travaillé sur votre façon de vous exprimer, Tout sur fait. les mots que vous utilisez. Tout à fait. Très important. Ouais. Les mots, les mots. Euh, et l'énéagramme aussi, vous avez participé à un atelier, l énéagramme, l énéagramme. un module, plusieurs, hein, c'est trois modules. Il hein, euh, y a deux modules de trois jours. Deux modules voilà. de trois jours. Deux modules de trois jours. Euh, l'énéagramme, on a eu l'occasion d'en parler un peu sur ce plateau. Euh, donc, vous, vous êtes découverte aussi à la lumière de votre énéatype. Exactement. Et alors, qu'est-ce que ça donne <laughs> Ça a été à la fois une révélation également et euh, une évidence. Ouais, une évidence. Et en fait, ça permet de, de, de comprendre les euh, mécanismes mis en place, les expériences, la façon dont on, dont on anticipe les choses que l'on vit. C'est vrai et comment on se limite, et comment parfois on, on est très bon dans des choses parce qu'on est très à l'aise. D'accord. Alors, c'est vrai que le, le développement personnel, ça fait toujours un peu peur de l'extérieur quand mmh. on n'en connaît pas trop. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de praticiens, il y a des sensibilités différentes. Et, euh, et vous, vous êtes allé vers cette école parce que vous en aviez entendu parler. Quel est votre ressenti euh, par rapport à ce que vous avez suivi alors moi, ce que j'ai apprécié chez Valérie, c'est justement ce, ce processus qui est mis en place qui est assez euh, cartésien. C'est vraiment au, au, au type de... Il y a une certaine adaptation à la personne. C'est très personnalisé. C'est hein très personnalisé et puis c'est... Je ne sais pas comment exprimer. Vous, êtes, vous en êtes très contente, en tout cas, c'est ce qu'on ressent. Hein. Vous ah, êtes moi, je suis de... ravie. Moi, je suis ravie. Et c'est vrai que je suis qu'au début. Et euh, j'ai hâte de voir la suite. Mm -hmm. et oui, eh oui mm -hmm. c'est une future coach qui va éclore euh, au ça sein fait. de votre école. Mm -hmm. Alors, comment ça se passe, les enseignements Là, avec Christelle, on a vu, il y, y a des ateliers, des modules hein, mm -hmm. de, de PNL, Enneagram, il mm -hmm. y, y a plein d'autres choses, en oui. fait. Des parcours oui, oui, très oui. différents. En fait, euh, EIPNL donc est une école spécialisée experte dans les formations de de coach, de futurs coach. Je reçois beaucoup de psychologues aussi qui viennent euh, s'initier à la PNL, à l'hypnose. Euh, l'hypnose ericssonienne, c'est ça euh, Oui, mais pas que hein, ouais. Pas que parce qu'on découvre aussi euh, l'hypnose humaniste, l'hypnose symbolique qui est juste euh, fabuleuse. Et euh, j'enseigne aussi le, le REMDR. qui est, est donc ah c'est les yeux, voilà. Oui, oui. D'accord. Donc voilà, il y, euh, y a pas mal de, 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 de modules sur divers et variés qui tournent tous autour du développement personnel. C'est vrai que le point commun, c'est oui. ce que vous disiez en préambule, c'est euh, tous ces programmes qu'on a intégrés, oui. ces croyances qu'on a en soi, euh, héritées ou qu'on s'est construit soi-même, hein, et qu'on va essayer de déconstruire juste pour prier le grain de livret, en fait. Hein. Tout à fait. Voilà. <laughs> Tout à fait. Voilà. Je retrouver le grain du cénové. <laughs> Ok. Et okay. donc, euh, bon, est-ce qu'il y a, par exemple, des portes ouvertes Est-ce qu'on peut venir vous voir pratiquer, se faire un euh, peu une idée Non, il je n'ai malheureusement, j'ai pas le temps de, de faire des journées de, de portes ouvertes. Euh, non, mais c'est avec plaisir que, que je réponds aux un appels. Euh, voilà, on peut prendre rendez-vous. Comme ça, d'ailleurs, j'avais rencontré Christelle. C'est-à-dire, on s'est donné rendez-vous dans un café, autour d'un café, on a discuté sur son projet de vie, voilà ce qu'elle souhaitait, quelles étaient ses attentes. Euh, le budget, comment s'y prendre. Enfin, il y a des solutions Il oui. euh, y a une partie à, qui peut être élaborer. financée, puisque vous êtes Calliope. Oui, 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 il y a une partie qui peut être financée par, par Pôle emploi ou alors par ouais. les OPCO. Oui. C'est important de, de le savoir quand même. Et euh, l'IPNL aussi propose des ateliers. Vous pouvez retrouver ça sur le site. Ouais. Des ateliers, en fait, là pour tout public. Voilà, pas, pas besoin de vouloir devenir coach ou quoi que ce soit. Euh, vous avez des ateliers sur mieux communiquer, ces ateliers d'une journée. Mm -hmm. euh, ateliers sur la confiance en soi, voilà. Pareil, c'est sur une journée, donc là c'est ouvert tout public et on est toujours dans le cadre du développement personnel. Ouais. Et là, ce que, ce que j'ai mis en place, donc il y a un petit peu une surprise. D'ailleurs, j'avais euh, publié un post pour ça en me disant qu'aujourd'hui bah, je passais chez vous, chez Info83, et j'allais annoncer une surprise. Donc, c'est plusieurs mois que je bûche, donc on a tous la primaire. Je... Merci votre de votre confiance. Mais, mais avec plaisir. Euh, la première c'est que j'ai travaillé sur euh, plusieurs mois déjà euh, sur des cahiers de, de coaching, des cahiers d'auto-coaching de, en fait. Comme ouais. en vacances, les, les cahiers de voilà. vacances. Voilà, tout tout ok, ok. Voilà. Donc ouais. c'est sur des, des périodes de 30 jours et euh, à télécharger, donc sur ma PDF avec des, des, des petits exercices, mais très simples, qui prennent entre 10 et 20 minutes par jour en fait, c'est en fonction de votre disponibilité. Pour booster, pour booster votre motivation à atteindre des objectifs. Donc, c'est la surprise. Ah, donc, ben merci de cette primeur. surprise. Donc, ça, c'est sur le site de l'EIPNL. Oui, c'est ça. ça. Mmh. Petit cahier de vacances pour travailler votre communication, votre confiance en soi. Il voilà. bon, y a du boulot, hein. donc euh, <laughs> on, peut, on peut attaquer. On peut attaquer dès maintenant sur 30 jours. Merci en tout cas, mesdames, d'être venues nous merci parler de merci. ces pratiques qui, merci vous. Qui, est, qui sont de plus en plus répandues et peut-être que c'est bien qu'on apprenne tous à mieux parler que la parole soit. Impeccable, ça fera sans doute un monde meilleur. En tout cas, on souhaite. Merci. Merci mesdames et donc bonne route à vous. Euh, on se retrouve à la fin de votre parcours. Vous viendrez en tant que coach cette fois. On Avec, plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup Merci, et à très bientôt sur Info83.